c'est l'été. Oui, c'est agréable comme saison. On est au mois d'août. Hein? Tous les gens sont partis en vacances, ça va être calme en ville. Hein? Et pourquoi on bouge pas, nous aussi? On pourrait visiter le monde! Comme tu veux. Il y a un documentaire sur les crevettes grises de Madagascar ce soir. Oh, quel pantouflard! Je te parle de partir à l'aventure! Tu sais, j'ai pas mal bourlingué dans ma jeunesse. Mais j'en suis revenu. Le vrai voyage, c'est dans la tête. Crois-moi, avec un peu d'imagination et de bonne humeur, on peut vivre une aventure formidable sans bouger d'ici. Donc, si je suis pas convaincue, on part en vacances où je veux. Ça marche. Oh, ça fait du bien de changer d'air, hein. C'est dingue comme les épices de ce petit marché local sentent bon. Ok. Oula, jeune marchand d'origine étrangère. Combien pour cette statuette en ponce de bouc séché? 75 brousouf, c'est pas cher. T'es folle, vous marchandez. Salut l'ami. 75 brousouf, tu veux me ruiner? Je le prends à 25. Allez, 50. 60. C'est mon dernier prix. 3500 brousouf, c'est une affaire, hein? Eh ouais! Tout est dans le regard. Wow! T'as vu ça? Un temple antique! Des siècles de civilisation nous contemplent! C'est super émouvant! Miss Titi! Tu peux le pousser, s'il te plaît? T'es dans le cadre. Marrante leur spécialité. On a envie de tout goûter. J'ai un doute sur la fraîcheur, c'est un quoi tomber malade. On s'est régalé. Ah non, vraiment, cette chenille farcie, c'est... avec le lait de perroquet, c'est un délice. Hein. Ne vous attendez pas pour le dessert. On doit filer au musée du tabouret. Cette création typique du style minimaliste austro-hongrois fut imaginée par le baron von Taburlich en 1960. Oh, laisse tomber les trucs à touristes, on s'endort là. On va grimper cette montagne et s'enfoncer dans la jungle. C'est ça l'aventure. Attends-moi. J'insiste, hein. C'est une folie de partir sans GPS. Yachak! Fichu jungle, oh! Je te mettrais bien un bon coup de tronçonneuse là-dedans, moi! Comme ça, yachak! Là! Un serpent! Regarde! Le totem de la tribu des Miam Miam! Tu les connais? Qui ne connaît pas ce peuple sauvage et cruel amateur de viande de porc? Ces ignobles monstres qui portent des andouillettes dans le nez pour seul vêtement. C'est eux. On dirait un champ de guerre. Ou de chasse. Ou les deux. Bon, la jungle, c'est fait. On rentre à l'hôtel maintenant, hein? Chèrement notre peau, Hubert. Se battre jusqu'au dernier souffle, tu piges? J'ai vaguement l'impression d'avoir le mauvais rôle dans cette histoire. Chut! Arrête de râler! Fais le cochon pour les attirer dans le piège. Jamais de la vie! Tu préfères finir en côtelette? Oui, 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 oui.
trou. Ben, c'est ça le piège. Il n'y en a pas. Effet de surprise. Déstabilisation de l'ennemi. Contre-attaque. Fais-moi penser à ne plus jamais te faire confiance. Ça va aller. De nuit, on est moins repérable. J'ai peur. Je vais rentrer chez moi. Y a quelqu'un? Les secours! Comment vous avez fait pour le retrouver? Je suis bien chez Monsieur Hubert, 9 rue de la Brochette. Absolument. Je suis New. T'es sûr? Tu veux vraiment partir? Oui, c'est plus tranquille. Pension complète aux îles Canaries, mer à 35 degrés garantie, bungalow climatisé, massage à la pierre chaude. Bref, la vraie aventure, quoi. J'étais à deux doigts de m'énerver. On va prendre les petites routes. C'est le meilleur moyen d'éviter les embouteillages. Sympa, la déco. Il assure le jardinier. Méfiance. Nous sommes en terrain hostile. J'ai vu un champignon sur la route. Il était tout petit. Oh, tu l'as pas écrasé au moins? Alors, Tristan, tu l'enclenches, cette vitesse? Elle va pas se faire toute seule, la récolte des patates. Oh, il y a quelqu'un? Allez, viens, on bouge. Il doit bien y avoir une station de métro dans le coin. Ta-da! Chic, n'est-ce pas? Encore un. Qui ose troubler le sommeil des collures, galets lutins des bois? Non, mais tu réalises qu'on est paumé en pleine cambrousse, hein? Du calme, cochon. Glurg connaît la région comme sa poche. Non, elle réalise pas. C'est bon, on peut rigoler. Hé, hey, j'ai trouvé un truc vivant. Dis donc, machin, Dreuzons-les-Bains, c'est par où? Je peux pas parler avec les bâtés. Articule, mon vieux, je comprends pas ton accent. Takako, viens voir ça. Super, merci du renseignement, salut. Un chemin. Le début de la civilisation. On a encore une chance de s'en sortir. Ah, une bête! Toi, pas avoir peur. Nous, venir en paix. Toi, comprendre? Tout à fait. Mais permettez-moi de vous dire que votre syntaxe laisse à désirer. Je vous prie d'excuser l'indélicatesse de mon ami. Nous cherchons à rejoindre Dreuzons-les-Bains. Pourriez-vous nous indiquer le chemin de ce charmant village? Mais avec plaisir. Il suffit de suivre le panneau. Merci, mon brave. Pour le guide. Oh, désolé, j'ai plus de monnaie. C'est pas grave, prends ton chéquier. Quand le héros se fait attaquer par un hibou mutant! N'importe quoi, faut grandir un peu. C'est pour les gamins, ce genre de film passe devant. Parcours sécurisé, vous pouvez y aller, monsieur le président. Sanglier à 12 heures, les gars! Un sanglier? Où ça? Ah, je trouve extrêmement déplacé qu'on me prenne pour un sanglier! Oh!
que en tire-bouchon. C'est quand même pas compliqué. Quel parfum. J'ai l'impression de connaître cette odeur depuis toujours. C'est comme revenir en enfance. Parle pas de ce que tu connais pas. J'ai vécu mon enfance à la campagne, crois-moi, c'était pas la vie en rose. Allez, viens! Ensemble, on va s'en sortir! Oh, bouge si tu veux, moi je reste. C'est une blague! Et la foire à la cravate de Drozon-les-Bains! Et moi? Reste avec nous, il est d'accord, pourquoi tu tapes l'incruste? Très bien, puisque c'est comme ça, adieu! Bye bye! Je pars pour de bon! Comme tu veux! À la prochaine! Là! T'es quand même mieux comme ça, on n'est pas des bêtes! De toute façon, j'en avais marre! Depuis le temps qu'elle me collait, c'est plus possible! Ben alors? T'as pas le sens de l'équilibre, ma grande? Hé, toi! J'ai propriété privée ici! Pourquoi elle est partie? C'est quoi votre problème, les gars? Elle est à nous, cette vache! C'est pas une petite mouche de la ville qui va nous piquer nos bouses sous le nez! Bouses? C'est quoi ce truc? Ça moque de nous, en plus! Non, tu vois, avec le recul, je crois vraiment qu'on avait besoin d'une pause, elle et moi. 2 secondes! J'ai le droit d'appeler une amie! Les filles, je vais pas vous mentir. J'ai un méchant coup de débris. Allô? Hubert, y a des types qui cherchent la bagarre, je comprends pas tout. J'arrive! Ok! Alors, comme ça, on cherche des poux à ma copine! Je vous présente Hubert, c'est mon pote! Alors là, franchement, respect. C'est vraiment la classe d'avoir un cochon. Hmm? Ouais, je sais. Bah du coup, on veut bien partager notre vache, hein, si tu nous prêtes ton cochon. Ça peut, les filles, mais je préfère le garder pour moi toute seule. C'est mon cochon. Excusez-nous pour le dérangement. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, mademoiselle. On vous ennuie pas plus longtemps, hein? Hubert, c'est quoi une bouse? C'est compliqué, je peux pas vraiment t'expliquer là comme ça. Oh, regarde! C'est notre chance! Dis donc, toi, on s'est pas déjà vu quelque part? Ah, mais oui! C'est le type sur le dos! Hein? Non, ça ne me dit rien. On n'est pas d'ici, vous savez. Ouais, c'est bon, on t'est derrière. Merci, monsieur! T'as de la famille dans le coin, toi?